Service. Service. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Donc, vous étiez même là. Et je suis là depuis, je ne vois personne. Désolé, monsieur. C'est parce que je suis seule aujourd'hui. Et j'ai plein de travail là derrière. En passant, qu'est-ce que vous avez au menu aujourd'hui? Oui, monsieur, nous avons du ndolé couscous maïs. Nous avons les pommes sautées. Nous avons du riz haricot blanc. Servez-moi du riz. Hein? L'haricot et la viande. Ok, tout de suite, monsieur. Serveuse. Monsieur. Bon sang. Mais comment vous servez, vous oubliez de l'eau? L'eau est finie, monsieur. Quoi? Quelqu'un va manger et ne pas boire de l'eau? Ah, monsieur, c'est que le fournisseur n'est pas encore là. Disons qu'il va venir quand j'aurai étouffé, c'est ça? Non, monsieur, il sera là dans une minute. Et vous en faites. Ça va compter dans la facture. En passant, votre place, c'est combien? C'est 2500, monsieur. Nom d'une vierge. Vous êtes sérieuse là ou c'est une blague? Attention, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Un tout maigre plat comme ça, 2500. Dans quelle république? N'insultez pas ce pays, madame. Je n'ai jamais appris que quelqu'un est mort de famine dans mon pays. C'est quelle histoire ça? On est où là? Qui? Monsieur, on vous sert un gros plat comme ça, on avait deux grosses viandes. Vous discutez le prix? Un gros plat, deux grosses viandes. Hein? Je ne vois rien dans le plat. Je ne vois qu'une boîte de cure-dents pleine. C'est ça que vous me vendez à 2500? N'exagérez pas, monsieur. Donnez-moi mes 2500. D'abord, je ne mange même plus ça. C'est délicieux. On est où? Ne mangez plus. Vous avez déjà goûté. Donnez-moi mes 2500. Je ne vois pas ça comme ça. Je ne vais pas payer ça. Je ne peux pas vous donner 2500 là où je ne vois rien. Monsieur, ne me perdez pas le temps. J'ai d'autres choses à faire derrière là. Donnez-moi mes 2500. Madame, je ne vois pas comment je vais payer ça. Donnez-moi mon argent, dis donc. Donnez-moi mon argent, monsieur. C'est quoi? Attention de poser vos sales pattes sur moi. Je vous demande... Donnez-moi mon argent, monsieur. Je ne suis pas là pour blaguer. C'est quelle histoire, ça? Prenez du calme, hein. Pardon? Faites très attention. Vous venez carrément, vous vous asseyez. On vous sert un gros plat de 2500. Je vous rappelle que vous êtes ici au restaurant La Fouchée. Et ce n'est pas n'importe quel genre de restaurant. Ce n'est pas les tournes d'eux. Ici, là, les menus sont revus et corrigés. C'est-à-dire très bien fait. Donnez-moi mes 2500 doucement. Restaurant La Fouchette, mon œil. Vous comprenez? Ce que vous faites là, on appelle ça purement du vol, madame. Ça, c'est du vol. Et je suis sûr que votre patron ne sait pas que vous faites de la surfacturation dans son dos. Ah bon? Dites comme ça, là. Donc, comme ça, vous me traitez de voleuse. Comme ça. Vous connaissez qui je suis? Vous êtes qui? Vous connaissez qui je suis, monsieur? C'est pas parce que je sers dans ce restaurant, hein? Je suis la femme d'une grosse tête de ce pays. Saisissez votre sang-froid. Monsieur. Si vous le perdez, vous allez le regretter. Je perds mon sang-froid. Donnez-moi mes 2500. Soyez rapide. C'est quoi ça? Je vous donne ça. Et alors? Tenez. Donnez-moi ça. Connerie comme ça, là. Mais ça, c'est même quoi ça? Je vous maudis. Vous êtes mon père pour me maudire. Mais... Quelle insolence! Ça, c'est quel jour? Préparez-vous à recevoir les agents des impôts ici, tout de suite. Hé, monsieur Deyon! Partez et ne revenez plus. Mais ça, c'est même quelle journée maudite, ça, là. De toutes les façons, moi-même, j'ai faim. Je prends ma pause une fois.